Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle vidéo du Quintet de demain. Alors avant ça, on va revenir sur l'arrivée d'aujourd'hui, le jeudi 17 février. C'était à Vincennes, réunion à course 1. Départ a lieu sur 2700 mètres de la grande piste. Il y avait 16 partants. L'arrivée était 11, 13, 12, 9 et 7. Voilà, c'est vraiment encore dommage. Je vous avais dit, je sais qu'il y en a un qui l'a fait. Bravo à toi, François. Voilà, qui est parti avec mon 11 2X et qui a fait avec le champ réduit que j'avais donné au Quintet 16 12 9 5 4 7 13. Voilà, un ticket à 28 euros flexi. Il a gagné 300 euros. Bravo à toi. Voilà, j'avais dit de partir avec soit le 14 en deuxième position ou le 11 en première position avec les 2X avec le champ réduit. Et pour le Quintet, voilà, c'est malheureux, on avait tout derrière. On n'avait que le 11 en base. Et derrière, je vous donnais le 16, 12, 9, 5, 4, 7 et 13. Voilà, 7 et 13, hein, mon 7 canon partant. Voilà, 7 et 13, c'était mes regrets. Voilà, il fallait faire des choix. C'est dommage, on avait le 12 à très belle côte. Pas beaucoup de monde le voyait. Donc, voilà. On va essayer de faire beaucoup mieux pour demain, même si c'est une course très, très, très difficile. Alors, ça sera le vendredi 18 février à Cannes-sur-Mer, réunion à course 4. Départ à 13h50 sur 2925 mètres, il y aura 16 partants. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 9, Déco de Tilou, de Christophe Martens. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois, il avait gagné. Donc je reste fidèle à lui. Après, je vous ai mis le 8, Féfoul de Baudron, qui pour moi visait la course. Le 7, Élan Baroque de Garcia. Le 5, Speedy Face de Pal. Je pense qu'il peut venir pimenter les rapports. Le 4, Eagle AS de Nicolas Hench. Je vous ai mis le 6, Filou Lauvernier de Briand. Je vous ai mis le 11, Velveggio de Minucci. Et je vous ai mis le 16, Diablo du Noyer de David Becker. Et en cas de non partant, voilà encore un gros regret, si vous avez la possibilité de mettre dans votre champ réduit, c'est le 1, Esteban Giel de Maurice. Donc je répète ma sélection, le 9, le 8, le 7, le 5, le 4, le 6, le 11 et le 16. Et en cas de non partant, le 1. Alors, pour les conseils de jeu au Quintet. Alors, vous pouvez partir de la base du 9, 8, 7, 2X, avec le 4, 5, 6, 11, 16, As et 2. Ou au tiercé, la base du 9, premier, 2X, avec le 4, 5, 6, 11, 16, As, 2. Ou vous mettez le 8 en deuxième position, vous laissez la place du premier et du troisième avec 4, 5, 6, 11, 16, As 2. Voilà, avec le 7. Donc après, c'est à vous de voir, c'est juste des conseils de jeu. Ceux qui veulent me suivre, là, ça a fonctionné pour François. Encore félicitations, en tout cas, voilà. Donc au Quintet, mes trois bases, 9, 8, 7, avec derrière le 4, 5, 6, 11, 16, As 2. Et tiercé le 9 en premier avec le reste des chevaux. Et le 8 en deuxième position avec le reste de chevaux. C'est comme vous voulez, vous choisissez vos jeux. En tout cas, je pense que demain, les bases 9, 8, 7, on ne devrait pas taper loin. Au moins 2 dans les 3. Donc c'est pour ça que je vous dis les quintés, ce qui est bien même des fois avec une base. Si on en a 2 derrière, on a au moins les bonus 3. Bon, ça ne paye pas aujourd'hui. Pourtant, Bazir n'était pas là. Mais bon. Un de ces cas, de toute façon, ça va finir par payer. Il faut continuer. Donc, on va rester comme la même tactique. Voilà, les amis, je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.